Zambrin? Oui, bonjour, c'est Madame Sauzet au téléphone, la maman de Johan. Oui, oui, c'est toujours prévu pour après-demain matin. Mais justement, j'aurais voulu parler à Monsieur le Directeur. Vous pouvez me le passer? Merci. Non, non, monsieur, nous n'avons pas changé d'avis, non. Sinon, on serait resté à Paris. Non, n'ayez pas peur. Mais je suis juste un peu inquiète sur l'heure de rentrée. 8 h, c'est un peu tôt pour Yo-Yo. Le temps qu'il se lève, qu'il s'habille, qu'il déjeune, enfin, vous voyez ce que c'est. Déjà qu'ici, il n'a plus du tout les mêmes repères, je voudrais pas trop le déstabiliser. 11 h? Mais c'est parfait. Mais je vous remercie beaucoup, monsieur Catala. À après-demain. Au revoir. Surtout en classe, tu te mets bien toute seule pour mieux écouter. Allez, dépêche-toi. Tu viens pas avec moi? Enfin, Clara, moi aussi, c'est mon premier jour. J'ai une élève qui m'attend dans 10 minutes à l'auto-école. Et qui viendra me chercher à 5 heures? Maman? Clara, je t'ai déjà expliqué, il y a un car scolaire qui te prend là et qui te dépose à 100 mètres de la maison, c'est bien plus pratique comme ça. Mais juste pour aujourd'hui, je connais personne. Bon, d'accord, je vais dire à ta mère de venir te chercher, mais elle n'a pas que ça à faire. Elle viendra seule, tu crois? Comment ça, seule? Et comment tu veux qu'elle fasse pour venir seule? Et qu'est-ce que t'as en ce moment? Rien, j'ai rien. Dérange pas maman, je prendrai le cœur. Fais-moi un petit bisou. À ce soir, mon amour. Papa! Merde, mon sac de gym! Pas de match. Ça t'apprendra à oublier ton sac. Tu veux faire quoi? Rester ici ou aller faire un tour au CDI? Ben, je vais rester ici. Comme ça, après, j'irai en français avec les autres. Et avec moi aussi. On t'a pas dit? Je fais gym et français pour les 5e et les 6e. Tu vas être obligé de me supporter encore 2 heures. Après le match, je te présenterai les fauves. Allez, on remet en jeu plus vite que ça. C'est mollasson, tout ça. Hein. C'est mollasson. Erwan, tu fais la sieste ou quoi, là? Tout ce que je vous demande, c'est d'aider Clara à s'intégrer au plus vite à la vie du collège. En clair, je veux pas l'avoir errer comme un fantôme dans les couloirs, ni oublier ses affaires de gym le mardi matin. Il me faudrait un ou une volontaire qui lui sert de guide pour les premiers jours. Quelqu'un de sérieux, si possible. Moi, madame. Bon, je dis quelqu'un de sérieux, Christelle. Tiens, Erwan, je te désigne comme volontaire. T'es content? Madame, je... Merci, Erwan. C'est très gentil de ta part. Pour vous garer là. C'est vous là? Très bien. Tournez pour braquer plus. Voilà. Stop. Débrayer. Débrayer, pédale de gauche, point mort. Frein à main. J'y arriverai jamais, il y a trop de choses à penser à la fois. Vous vous découragez, madame Morvan, c'est votre première leçon. Et je trouve que vous vous débrouillez très bien. C'est vrai, vous vous dites pas ça là. Bien sûr que non. Écoutez, on se revoit jeudi, on ira faire un tour sur la voie rapide. Ah, d'accord, merci. Journée. Au revoir. Bonjour. Salut Georges. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Salut Michel. Merci. La Tour Eiffel, tu es monté tout en haut, bien sûr. Non, jamais. Je trouve ça moche, ce truc. Ça vaut pas le coup d'habiter à Paris, alors? T'as des frères et sœurs? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, comme ça, pour savoir. T'en as, oui ou non? Bah non, tu vois, je suis toute seule.
Dante, je vais venir. Ah, enfin, je t'ai retrouvé, ma sœur. Alors, bébé, quand elle revient, Clara? Attention à vos accords. Et je vous rappelle que j'enlève un demi-point par faute de copie. T'en es où, Clara? J'ai presque fini. C'était pas très difficile. On verra ta note. Pour le prochain cours, il faudrait lire les 5 premiers chapitres de Notre-Dame de Paris. De Victor Hugo? Je l'ai déjà lu. Tu sais qu'avec les autres cinquièmes, on a prévu de faire un petit séjour à Jersey et Guernesey. C'est là qu'il s'était exilé. Et je pourrais venir moi aussi? C'est quand? Bientôt. Je te donnerai les papiers pour tes parents. À faire signer le plus vite possible. Au fait, la petite fiche de renseignement... Salut Johan, t'as du pot de déménager. La Bretagne, c'est trop d'enfer, surtout pour la pluie et les crêpes. Ici, à Tahiti, on n'a que du soleil et des cocotiers. C'est nul. Tu sais, je trouve que c'est trop bien qu'on s'écrive sans se connaître. Je suis sûre et certaine que t'es trop top comme mec, de toute façon. Réponds-moi vite. Ta fiancée, Vainé, Clara. Ouh, là, j'ai eu chaud. Clara, on part faire des courses avec Yo-Yo. Tu viens? J'arrive, maman. Où est passé ton frère? Je sais pas, il était juste à côté de moi. Mais je t'avais dit de pas lui lâcher la main. Mais je l'ai pas fait exprès, je voulais juste essayer ça. Oui, mais là, c'est pas le moment, il connaît pas ici, il va se perdre. Bon, fais le tour du magasin, je file vers la sortie, mais dépêche-toi. On se retrouve ici dans 10 minutes. Bonjour, messieurs, dames. Moi, je suis Yo-Yo. Et oui, c'est Bébert. Et bonjour, Bébert. Bonjour, les dames. Tout ça va être ici. T'es pas bien ou quoi? Tout le monde nous regarde. Ah, t'as pas vu Bébert? Mais t'as la télé. On est les stars. Allez, vite. On est les stars, tout le monde. S'était retrouvé dehors, il aurait pu se faire écraser. Je tremble encore. Tout va bien, maman. Il lui est rien arrivé de grave. T'as raison, ma chérie. Tu dois me trouver complètement folle, être toujours sur les nerfs comme ça. Mais non. Avec Yuan, c'est sûr que... À son foyer, il sera occupé. Il fera plus de bêtises.
Moi, quand il fait des trucs comme ça, je me demande s'il est vraiment mûr pour ce foyer. Imagine qu'il s'enfuit de là-bas. Maman, c'est demain sa rentrée. Tout est prêt pour qu'il... Non, non. Non, demain, c'est trop tôt. On peut pas faire courir le moindre risque à ton frère. Mais quoi, t'es pas d'accord? Tout ce que je vous demande, c'est un délai de un mois, monsieur le directeur. Madame Sauzet, nous ne forçons jamais personne. La décision vous appartient. Mais je vous le répète, plus vous retardez l'échéance, et plus ce sera difficile. Je ne crois pas. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et que ressent-il, votre fils? Croyez-en mon expérience. À son âge, il serait préférable... Écoutez, je sais parfaitement ce qui est préférable pour mon fils, monsieur Catala. Entendu. Très bien. Je vous rappelle alors. Au revoir. Doucement, ne te précipite pas. Fais respirer les notes. Attention crescendo. Stop, 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 stop. Ça va pas du tout. T'es pas assez concentrée, tu m'écoutes pas. Je suis crevée, maman. J'ai des crampes dans les doigts, je te jure. Des crampes dans les doigts, n'importe quoi. Allez, reprends le coup de début. C'est la seule manière d'y arriver. Demain, maman, s'il te plaît. J'ai plein de devoirs, plein de cours à rattraper. Moi, à ton âge, je faisais mes 3 heures de piano tous les jours. Ça m'a jamais empêché de faire mes devoirs. Allez, ma puce, sois courageuse. Un peu de volonté. Ça sert à rien. De toute façon, je serai jamais aussi bonne que toi. Qu'est-ce que tu racontes? T'as du talent, Clara. Mais le talent, c'est rien sans le travail. Allez, allez, tu reprends. Merde. Merde! Qu'est-ce qui se passe, mon yo-yo? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Allez, c'est pas grave. On va en faire un autre ensemble. Non, pas d'accord. Je les mets à tes conneries. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, Clara. On va faire l'Internet. Je me demande ce que vous faites sur Internet, tous les deux. Rien. On fait des recherches. Ah bon? Je suis sûre et certaine que t'es trop top comme mec de toute façon. Réponds-moi vite, ta fiancée va aimer, Cynthia. Top? Ok, c'est top. C'est là. Et fiancée? C'est où, fiancée? Là. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui répond à ta fiancée va aimer? Je suis très content, super content. Ok, t'es super content. Mais quoi d'autre? Mais je l'aime, Cynthia, c'est ma fiancée, je l'aime. Ça, on lui a déjà dit un million de fois. Elle te parle de Tahiti, elle te pose des tas de questions, et toi, tu... Fais un petit effort. Bah, je sais pas, moi, je sais pas écrire. Vas-y, toi. Tu te rends compte, si Cynthia nous voyait? À Paris, à ouvrir sur l'Internet. Ouais, parce que sinon, elle serait déçue. Hein. Et Kedak, trop top Internet. Quelle différence ça fait pour toi, demain ou dans un mois? La différence, c'est que ça fait plus d'un an qu'on attend la place de Yo-Yo. On aurait pu au moins en parler. Mais parler de quoi? Et tes cours de piano, c'est remis à dans un mois aussi? Tu peux me dire comment on va faire avec le loyer, les deux bagnoles, plus ce mois aux embruns qu'il va falloir payer quand même et pour rien? C'est pas pour rien. En tout cas, moi, je lâche pas mon enfant du jour au lendemain dans un foyer où il connaît personne. Attends, Sophie, c'est plus vraiment un enfant. Et je te rappelle qu'on a quitté Paris pour rester près de lui, justement. C'est un des meilleurs foyers. On y est venus 3 fois, on a tout visité ensemble. Et souviens-toi, la dernière fois, il a embrassé tout le monde. Il voulait même plus repartir. Oui, mais on était là avec lui. Et seulement pour 1 heure ou 2. Derek, tu connais pas ton fils. Sophie, il a bientôt 17 ans.
17 ans et il connaît que nous, nous et sa sœur. Je veux pas qu'il soit malheureux. Jamais. Ils sont spécialisés aux embruns. Et ce sont des gens très bien, tu les as vus comme moi. Mais fais-leur un peu confiance. Ils sauront s'occuper de lui. S'il veut pas rester, on le gardera avec nous. Bien sûr. Ne t'inquiète pas. S'il y a un problème, on le reprendra. Je te le promets. Ne t'inquiète pas. Alors, d'abord, on a 2 heures avec Mattman. Bâtiment A, premier étage, salle 4. Ensuite, SVT, bâtiment B, rez-de-chaussée, salle 5. Et pour finir... Pff, mais je te sers plus à rien comme guide. Comme guide, non? Mais je peux te garder comme copain. C'est vrai qu'on a besoin de copains quand on est enfant unique. T'aurais pas préféré avoir des frères et sœurs, toi? Si, surtout une grande sœur. Ça, j'aurais vachement aimé. Moi, j'aurais plutôt voulu un grand frère. Genre 16-17 ans, tu vois. Il t'apprend des tas de trucs. Il t'emmène au ciné ou dans des bons. Ou faire du bateau. Ou au bowling avec ses potes. Et il te protège, en plus. Ça doit être génial, un vrai grand frère. Je pourrais me mettre près de toi en classe? Non, je préfère rester seule. Je t'ai déjà dit. Tu les as vus tous les deux? T'es encore ensemble? Ouais. Elle commence à m'énerver grave, la parisienne. Ma mère, depuis que mon père a mis les voiles, je te raconte pas comment elle est chiante. Toujours à me prendre la tête. La mienne aussi. Elle voulait même venir me chercher au bail tous les jours, t'imagines? Tu sais, j'arrête pas de penser au voyage, à Jersey. Moi aussi. Ça va être génial. J'ai jamais pris le bateau. Moi, c'est ma passion, le bateau. Bah Yo-Yo, qu'est-ce que tu fais là? Je me cache, ça ne te frappe pas. Ta mère t'a laissé tout seul. Bah viens, entre. T'as vu, il est beau, hein? Avec ce moteur, à l'époque, on était les rois des rallyes. On raflait tous les grands prix. Et quand est-ce qu'on va faire broum? Quand? Bah, il faut d'abord monter le carbu. Tu veux m'aider? Tu veux me donner un coup de main? Est-ce que je fais? Bah écoute, tu vas remettre cette vis, là. Voilà, tiens. Regarde. Voilà. Tu vois la petite vis, là? Tu vas la visser. Tiens, prends le tournevis, ouais. Allez, vas-y. Doucement, hein. C'est fragile, un cœur mu. Voilà. À l'autre. Allez, là, tiens, prends là. Voilà. Je vais mettre là. Donc, je te laisse faire tout seul. Vas-y. Doucement. Attends, t'es pas... Ouais, vas-y. Voilà, vis. Vas-y, débrouille bien, hein. Yo-Yo ? Yo-Yo, je te cherche partout. Allez, viens à la maison, tu vas encore te salir ici. Non, mais laisse-le, je lui apprenais à servir d'un tournevis. Oui, bon, mais tu feras ça une autre fois quand il sera habillé pour. C'est ridicule, là, en chemise. Comment ça va, les maths? Faut que tu t'accroches, hein. Tu verrais la tête du prof. Il est trop bizarre. D'abord, il est habillé tout en noir. Il dirait une chauve-souris. Du coup, les autres, ils l'appellent Mattman. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. T'occupes pas des autres et bosse. Tu t'es bien mise toute seule, comme je t'ai demandé. Jean-Pierre, j'ai besoin de toi avec Yo-Yo. Ouais, j'arrive. Tiens, je te mets du beurre et tu finiras l'omelette toute seule. Grand chef Whist City. Ok. Et pas trop cuite, hein. Sinon ton frère n'en mangera pas. Je vais tout raconter à Cynthia. Ton copain Erwan, Mattman ton prof de maths, le voyage à Jersey. À la fin, je lui dis quoi? Que tu l'embrasses avec amour et qu'elle est la plus canon du monde. Ça te va? Ouais, cœur plus top que Julia Roberts. Ok, plus que Julia Roberts. Et hop, fini. T'es sûr que t'as bien tapé Yo-Yo? Non, pas Yo-Yo, Johan. C'est Johan ton vrai nom. Yo-Yo c'est nul, c'est trop bébé. T'es plus un bébé, t'es mon grand frère.
T'es Johan. Johan. Ok, tac, Johan. Jeudi soir. Maintenant, je pense que c'était bien de venir vivre ici. D'abord parce que personne ne me parle de Johan, et aussi à cause d'Erwan. Il est génial, intelligent, drôle et beau. C'est la première fois que je suis amoureuse, je crois. Je sais pas si c'est pareil pour lui. Pendant le voyage à Jersey, je pourrais savoir. Pas trop tard, hein, Clara. Non, non, je finis mes maths avant. Bonne nuit, ma grande. À demain. Du mal à l'endormir. Il était agité ce soir. C'est l'air de la mer, Lyot, ça fouette le sang. Et Clara? Elle n'a pas fini ses exercices de maths. C'est moi qui en ai donné en plus. Oui, mais n'exagère pas trop, quand même. Quand même qu'elle bosse. Je la trouve moins tristouille en ce moment. T'as vu, à table, elle avait l'air en pleine forme. Oh oui, je préfère la voir comme ça. J'avais peur qu'elle nous en veuille encore d'avoir déménagé. Oh, m'en veux pas, je suis morte. Très bien, mon petit Ossiti. Non, papa. Tu penseras à signer les papiers pour le voyage? La prof arrête pas de me les demander. Et quel voyage? Bah, tu sais bien. Les 3 jours à Jersey avec la classe. Ça approche, c'est dans à peine un mois maintenant. Ah ouais, j'avais oublié. Et t'as vraiment envie d'y aller? Bien sûr que oui. Ça va être super. On va tous prendre le bateau et là-bas, on va visiter la maison de Victor Hugo. Mais écoute, t'emballe pas, on va réfléchir. Réfléchir? Mais à quoi, papa? Tous les autres y vont. Écoute, on en parle tranquillement ce soir. Moi, je suis d'accord avec Clara. Lui, au moins, il aime vraiment Esmeralda. Pas comme cette grosse tache de Phébus. Bon, ça va, on se calme. Le débat est terminé. Au fait, Clara, les papiers pour le voyage, t'y as pensé? Je les ai encore oubliés à la maison, madame. Où tu as la tête? Demain, sans faute, hein? Sinon, ça va être trop juste pour confirmer les réservations. Tant pis pour toi. Ah, oh, bah dis donc, pour seulement 4 jours, c'est pas donné, hein? Et puis, avec le déménagement, pas trop le moment de jeter l'argent par les fenêtres. Tu comprends? C'est pas grave. J'ai mes économies sur mon livret d'épargne. Y a qu'à les prendre. Y a pas que ça. On en a discuté avec ta mère, question de date, ça tombe mal. Enfin, Clara, tu le fais exprès, l'anniversaire de ton frère, tu l'oublies? Mais c'est pas si grave, quand même. On peut le faire avant ou après. Il s'en fout, Yo-Yo. Tu crois ça? Il va être triste si t'es pas là le jour même. Ton père et moi aussi, bien sûr. Puis tu pars en voyage et pas lui. Il va trouver ça injuste, il aura raison.
Ah, tu vois. Et puis fais pas cette tête d'enterrement, mon petit Ouistiti, il y a des choses plus graves dans la vie. Bon. Voilà, c'est signé. T'es contente? Maintenant, c'est toi qui décides si tu y vas ou pas. Je peux pas te dire mieux. Tout ce que je te demande, c'est d'y réfléchir encore un peu. Tu veux plus venir à Jersey, tu plaisantes? T'avais l'air très contente de partir. J'ai changé d'avis, ça me dit rien. En plus, j'ai le mal de mer. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, si c'est un problème d'argent, il y a une caisse de solidarité. C'est pas ça. J'ai plus envie de venir, c'est tout. Mais enfin, tu vas être la seule élève à rester. Et puis c'est pas seulement le voyage, tu vas manquer des choses importantes au programme. Bon, on va forcément trouver une solution. Je vais appeler tes parents. Mais c'est pas la peine, ils sont d'accord. C'est moi qui veux pas. Et puis de toute façon, si j'ai pas envie de venir, vous allez pas me forcer. Vous avez pas le droit. T'as raison, rien n'est obligatoire après tout. Si c'est ta décision, tant pis pour toi. Tu te débrouilleras pour rattraper. N'appuie pas trop fort. Écarte ton pouce. Ouais, bien. Tu vois que tu y arrives tout seul. Tu te rends compte? Je t'ai même pas aidée. Je suis fière de mon gros bébé, tu sais. Bah, vous laissez lui plaire à bébé? Non, encore une dernière et après on lui donne l'épluche, d'accord? Tiens. Bah elle est... Pourquoi elle te plaît pas? Elle est moche, oui. Elle est moche. Tu fais quoi le mercredi après-midi? Rien spécial. Je dois rester chez moi pour m'occuper. Enfin, non. Pour aider ma mère. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a un club de voile. On fait des super sorties au catamaran, c'est cool. De toute façon, je sais pas nager. Alors la voile, c'est pas pour moi. Bah, on pourra aller se balader du côté de la grotte des Amants, c'est super. La grotte des Amants? C'est quoi? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Bah, à cause des Amants, cette question. Tu connais pas la légende? Paraît qu'elle est vraie. Merde, le bus est déjà là. Bah, j'ai qu'à passer chez toi tout à l'heure. Chez moi? Ça va pas la tête, pour quoi faire? Bah, comme ça, je te raconterai l'histoire des Amants. Je m'en fous de ton histoire. Salut! On est à la plage avec Yo-Yo. Tu as de quoi goûter dans la cuisine. Sois sage, travaille ton piano. Bisous, maman. Maman.
Ah merde, les pompes! T'as encore fait le malin? Oui. T'étais où? En cours, t'oublies tout toi. Hein. T'as quoi là-dedans? De la purée de banane ou du yaourt 0%? C'est yaourt 100%! Lâche-moi, Yoyo. Et alors, ta prof, elle a répondu quoi? Rien de spécial. On est plein à pas y aller en fait. Et elle va peut-être annuler le voyage du coup. T'es pas trop déçue, t'es sûre? On ira au printemps tous les quatre. Ce sera tout fleuri. On ira une semaine à Jersey et une autre à Guernesey. C'est vrai? Super. Et tu sais, je voulais dire, mon copain Erwan, il m'a demandé si... Bah viens maman, j'ai faim moi! Tu y as ou ce sera au portant? Toi, tu me diras plus tard, faut que je change Yoyo. Tu dis toujours ça, résultat des courses, t'as jamais le temps pour moi. Y'a que Yoyo, toujours Yoyo. J'en ai marre moi, je compte pour des prunes. Mais arrête un peu ta comédie, tu vois bien que ton frère est trempé. Tu veux qu'il attrape froid, c'est ça? Après, je te ferai travailler ton piano. Piano, leçon, devoir. Piano, leçon, devoir. Tu l'as réparé? Bien sûr, allez, viens, on va l'essayer. Marche bien. Ouais. Prenne pour voir. Ils sont encore un peu durs. C'est les patins qui sont trop neufs. Je vais t'arranger ça, on va s'arrêter sur le petit pont. Demain, je pourrais aller au collège avec. En vélo au collège? N'en est pas question, mon petit Wistiti. C'est toi qui... Tu m'avais dit que je pourrais. Mais je plaisantais. Jamais toute seule le vélo, c'est trop dangereux. Je te l'ai toujours dit. Oui, mais Erwan, il habite tout près. Je pourrais faire le chemin avec lui. Clara, n'insiste pas, c'est non. S'il t'arrive un accident. Je crois qu'on n'a pas assez de problèmes comme ça. Allez, viens, on rentre. T'as l'air de bien t'entendre avec ce garçon. Comment il s'appelle déjà? Erwan? Oui, c'est mon seul copain. Pourquoi on le voit jamais? Invite-le à la maison. Non, il peut pas. Il a plein d'activités, il a jamais le temps. Et c'est quoi toutes ces activités? Du catamaran. C'est au club de voile le mercredi. Paraît que c'est génial. Clara! Je l'ai ramené à la maison avec mon vélo. Alors, j'ai raconté que t'étais allé à la pêche en catamaran avec Erwan et que t'avais ramené un ton de 100 kilos sur ton vélo. 100 kilos, c'est tout même beaucoup par un poisson. Non, t'inquiète, c'est juste deux fois comme toi. Bon, alors maintenant, tu dis quoi? Mande une photo de Cynthia. Tu veux la photo de Cynthia?
On peut pas. Ils font pas de photos à Tahiti. Et dans la chambre, c'est pas une photo de tête. Si, mais c'est pas une vraie Vahiné, celle-là. Les vraies, sont jamais prendre en photo, elles ont pas le droit. Menteuse! D'accord, c'est pas vrai. Mais si tu lui demandes sa photo, elle va te demander la tienne. Une photo en vrai, à Cuyo dessus? Ben oui. Pas de Leonardo DiCaprio. Et là... Ok, tac, pas photo. Yo-Yo, Clara, dépêchez-vous. On va se promener pendant qu'il fait beau. On va manger les crêpes. Eh ouais, et combien tu vas manger de crêpes? Ah, tu trois. Trois, c'est bien, trois. Et aujourd'hui, c'est la finale des régates. Il va y avoir plein de monde sur le port. Erwan y sera sûrement. Tu pourras nous le présenter. J'ai pas très envie de venir. Comment ça? Ça te fera du bien de sortir pour une fois. C'est vrai, depuis qu'on est là, tu sors jamais. Je sais pas ce que j'ai mal, là. Oh, allez, 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 mon petit Ouistiti. Hein. Le dimanche après-midi, c'est fait pour se promener en famille, hein, Yo-Yo? Ouais. Allez, viens, Yo-Yo. Arrête. J'ai encore deux contrôles demain et plein de devoirs. Si je viens avec vous, j'y arriverai jamais. Non, mais enfin, t'aurais quand même pu t'arranger pour tout finir ce matin, c'est dommage. Non, laisse, Sophie. Bah, remonte vite travailler et dépêche-toi. On te ramènera une crêpe. Hein, Yo-Yo? Allez, viens. Allez, viens. Non, mais laisse-la, elle veut pas venir. On lui ramènera deux crêpes. Franchement, t'exagères, hein. À tout à l'heure. Qu'est-ce que t'es beau? Moi aussi, je vais faire à l'école comme toi. T'as le temps, c'est cet après-midi ton rendez-vous au foyer. Tu me raconteras tout ce soir, ok, Doc? Ok, Doc. J'y vais, maman. Bonsoir, ma grande. Tu veux qu'on t'accompagne au car? Non, non, pas la peine. À quelle heure vous serez rentrée des embruns? Pas avant 7 heures. Je vais rester là-bas avec Yo-Yo aujourd'hui. Et papa, il va vous rejoindre là-bas? Non, il peut pas, j'y vais seule. T'as ta clé? Ouais. Bon, bah, salut. Tu vas t'éclater, tu vas voir. Yo-Yo, si quelque chose te plaît pas dans ce foyer, tu le dis bien à maman, d'accord? Nos résidences plaisent énormément ici, aux embruns. D'ailleurs, vous avez pu le voir par vous-même. Il passe de l'atelier poterie à l'atelier cuisine, de la salle de sport au jardinage. Une vraie ruche, ça n'arrête pas. Et toi, bonhomme, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Tu dois être tout content de faire ta rentrée. Si t'as des questions à poser, tu n'hésites pas. C'est où l'Internet? Ah, on n'a pas Internet. Enfin, pas encore. Sauf dans mon bureau, bien sûr, mais c'est mon bureau, tu vois. C'est pas bien ici, on n'a pas l'Internet. Yo-Yo se sert beaucoup d'Internet. Il fait des recherches avec sa sœur, il adore ça. Rassure-toi. On a libéré une salle pour l'atelier informatique. C'est nul ici, hein, maman. Pile l'heure de goûter. Costaud comme tu es, tu dois avoir une faim de loup, bonhomme. Nous développons leurs capacités motrices et nous les préparons à des rencontres de sport adaptées. Athlétisme, natation... C'est nul, il n'y en a pas l'Internet. Vous devriez nous laisser, Madame Sauzé. C'est-à-dire que je comptais rester avec lui, c'est son premier jour. Nous avons un règlement, des heures de visite.
De plus, votre présence risque de perturber les autres résidents. Fais pas chier, bonhomme. Rentre-là. Excusez-le. Vous voyez bien qu'il a besoin d'être accompagné. Je suis désolé. Les autres ne voient quasiment jamais leur famille. Johan est notre seul externe. C'est déjà un privilégié. Vous comprenez? Tu veux pas partir, hein, maman? Pas tout de suite. Ici, tu seras comme chez toi. Kevin et Sylvie vont tout expliquer. Ça pue la merde, connard! Calme-toi, voyons. Ta maman ne sera pas pour toujours, enfin. Elle reviendra te chercher ce soir. Calme-toi. T'as des coups. Laisse-moi nous dire. Partez, madame. Vous ne l'aidez pas, restons. Pourquoi tu t'emportes? Regarde, t'as des copains autour de toi. Elle reviendra te chercher ce soir, c'est promis. Moi, je suis naze. Puis, je préfère rentrer en car avec les autres. Avec les autres? Et avec toi. T'aimes ça, le pain perdu? J'adore. Alors, dis-moi, elle est où, ta cachette secrète? Bah, si je te le dis, elle sera plus secrète. En tout cas, c'est de la balle. Oh non, ma mère! T'avais dit qu'elle rentre à 7h. Va-t'en vite, j'ai le droit d'inviter personne. Il y a quelqu'un avec elle. On dirait un mec. C'est qui c'est? Comment tu veux que je le sache? Elle prend toujours des autostoppeurs. Allez, passe par le garage. Génial, ton pas perdu. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Alors, ton foyer, c'était bien? Ils font chier. Je réponds, c'est pas assez top. Ça s'est pas bien passé? Yo va rester avec nous. Je savais bien que c'était pas un endroit pour lui. Comment ça, pas un endroit pour lui? On a déménagé exprès. C'est que tes connards, il y en a pour l'internet. C'est pas possible. T'avais promis qu'en venant ici, tout allait changer. Clara, s'il te plaît, je suis épuisée. J'ai laissé tous mes copains à Paris. Papa et toi, vous m'avez même pas demandé mon avis puisque c'était pour Yo-Yo. Et maintenant, toi, tu... J'en ai marre, moi. Ça servit à rien. Bon, marre, ton fils. Tu me parles pas sur ce ton devant ton frère. Allez, monte dans ta chambre, je t'ai assez entendu. Yo-Yo. Je suis là. Enfin, t'aurais pu le laisser, t'aurais pu le déposer et venir le chercher une heure après. Le laisser prendre connaissance tout seul. Avec les gens du centre, non, faut que tu sois toujours collé à lui. Tu le surprotèges depuis sa naissance. Bien sûr, tout est toujours à cause de moi et toi t'y es pour rien. Mais enfin merde, t'as même pas tenu une heure. T'as peur de quoi qu'il puisse se passer de toi? Toi t'envisages très très bien de te passer de ton fils par contre. Je veux juste qu'il devienne un petit peu autonome. On sera pas toujours là, tu y as pensé à ça? Si t'avais été avec moi, tu l'aurais entendu hurler. Tu l'aurais vu se jeter par terre. Seulement t'étais pas là, j'étais seule. Comme j'étais seule après sa naissance. Tu vas me le reprocher toute ma vie? J'étais en dépression. En dépression et à l'hôpital, tu sais ce que ça veut dire? Non, je sais pas. Moi fallait que j'assume, tu vois. J'avais pas le temps de déprimer. Tais-toi! Comment tu peux me balancer des horreurs pareilles à la gueule après tout ce que j'ai fait, hein? Ah, toi, toujours toi! Tu veux quoi? Que je te dise merci? Merci! 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 Ta gueule! Allez-y, allez-y, c'est bien. Voilà, c'est bien. J'ai vraiment du mal avec les créneaux. J'ai le temps d'en refaire un? Non, vous n'avez pas le temps. La leçon est terminée. Passez la première. Débrayez. À la semaine prochaine, madame.
Quel croyant voulez-vous que je commande, hein? Qui est-ce qui voudrait un moniteur qui carbure au whisky? Je promets que ça n'arrivera plus, monsieur Savina. J'ai une famille, loyer de la maison. C'est... Moi, je tiens une auto-école, pas le bistrot du coin. Votre femme, vos enfants, il fallait y penser avant, mon vieux. Je sais que c'est une faute grave. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. J'ai tellement de problèmes en ce moment. Avec votre fils? Remarquez, je me mets à votre place, ça ne doit pas être marrant tous les jours. Bon, écoutez, Jean-Pierre, pour cette fois, je veux bien fermer les yeux. Je vous laisse une dernière chance. Mais attention, hein. Vous pouvez dire merci à votre fils. Vous avez raison, monsieur Savidan. C'est moi qui m'en vais. Je reviendrai pas demain, au revoir. On y est. C'est par là. Allez, viens, tu vas voir comment c'est super. Alors, c'est ça ta cachette? Ouais, ça, c'est mon navire personnel. Et tu vas voir la Camille comme elle est mortelle. Ouais, bah, moi, à ta place, je serais pas décorateur comme métier, hein. Ouais, c'est mon navire perso, pas la caravane de Barbie. Mmh. Il y a même pas de nom, ton bateau, en plus. C'est nul. Bah, c'était que ça, on a qu'à le baptiser. Ouais, c'est ça, avec du champagne. Je te baptise, et maintenant, tu t'appelles... Bon alors, ça vient? T'as bien un nom que t'aimes? Oh, j'ai qu'à l'appeler coque de noix, c'est bon. Bah, ce serait mieux crêpe saucisse ou ripou premier. C'est super, ripou premier. T'es folle ou quoi? Et pourquoi pas, tu t'annules ta mère. Pourquoi Clara 2? T'en connais une autre? Non, mais ça jette plus que Clara, hein. C'est par là. Viens, on a juste le temps à cause de la marée. Alors comme lui, c'était super amoureux, bah... il venait dans la grotte pour... Pour faire l'amour? Pourquoi tu le dis pas? Mais si on coupe tout le temps, j'arriverai jamais à finir. Vas-y, je me tais. Mais c'était pour faire l'amour. Donc, ils se retrouvaient dans la grotte. Seulement un jour, les parents de Gaël ont fait croire à Gwendal que leur fils était marié à un autre. Gwendal l'a cru. Il était tellement cassé qu'il est revenu ici un jour de grande marée. Il s'est allongé là, sur le sable. Et il a attendu que la mer monte. Et hop, noyé. Ça va hyper vite ici, tiens, regarde. Dans un quart d'heure, t'as plus pied. Et dans une demi-heure, tu peux plus sortir. C'est comme un piège. Et Gaël, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle s'est tirée de ses parents. Et elle est venue ici, comme son mec. Elle a bu une sorte de potion magique pour s'endormir. Et hop. Et hop quoi? Bah, comme Gwendal. Elle s'est laissée noyer par la marée. C'est pour ça que depuis, ça s'appelle la Grotte des Amants. Ils étaient bien graves, tous les deux. T'as rien compris. S'ils étaient trop malheureux. Et quand t'es trop malheureux, des fois, ça donne envie de mourir. Mais c'est un peu con d'avoir envie de mourir quand on est jeune. Ça compte pas, jeune ou vieux. Ça se voit que t'as jamais été malheureux, toi. Moi, à leur place, j'aurais fait pareil. Mais attends, l'histoire est pas encore finie. Vas-y, c'est quoi la fin? Bah, il paraît que ceux qui s'embrassent ici pour la première fois, ils restent amoureux pour toute la vie. Amoureux pour toute la vie? Je peux les planter là. Mais pourquoi t'en as mis deux ensemble? Bah, pas pour qu'ils soient tout seuls. C'est pas grave. Mais en les plantant comme ça, au printemps, t'auras qu'une seule grosse tulipe.
Et l'autre sera toute petite et toute rabougrie. Ah, pourquoi, maman? Parce que les bulbes sont trop collés l'un à l'autre et l'un des deux n'aura pas assez de terre pour bien se développer. Ah, en guidoc. Et que ça sera une belle fleur. Ouais, grâce à toi, on n'aura que des jolies tulipes. Tu rebouches? Ta sœur est rentrée. Tu vas où? Je vais me balader, j'ai envie de prendre l'air. Je vais bien avec toi. Je peux garder maman? Oui, mais pas trop loin alors. Je crois qu'il va pleuvoir. Tiens, prends ton ciré. Vas-y. Oui, bonjour. J'appelle pour la petite annonce. Oui, bien sûr, je suis mécanicien spécialisé. Non, pas récemment, mais... Ah oui, d'accord, un stage de mise à niveau, bien sûr, je comprends. Bon, bah, je vous rappellerai. Bon, merci, au revoir. Et merde. Ah, désolé, monsieur. Prochaine fois. Merci. C'est bon. Oui. Non, écoute, Sophie, on en reparlera plus tard. Je peux pas, là. Non, je suis avec un élève en voiture, là. Oui, écoute, à ce soir. Tu l'aimes, Erwan? Pas d'Erwan, Erwan. Oui, mais c'est ton amoureux. Je sais pas. Je pense souvent à lui. Alors, ça veut dire que tu vas te marier avec lui, puis tu vas me laisser, t'es seule? Tu sais bien que non, arrête. C'est pour moi, toutes tes petites fleurs? Pour Cynthia. Pour Cynthia? Elle habite à Tahiti, je te rappelle. Ouais. Comment tu vas lui envoyer? Par l'internet, l'ordinateur. Attends, tu veux qu'on mette le bouquet dans l'ordinateur et qu'on l'envoie comme ça, par internet? Bah, c'est toi que tu me l'as dit. Ah bon? Si je te l'ai dit, c'est qu'on peut le faire. On rentre? Oui. Ouais, c'est la frimeuse. C'est qui avec elle? T'as vu? Ils se tiennent par la main. Quand on va dire ça à Erwan? Il va être vert. Allez, on y va les filles. On va voir la tête Tila. Eh ben Clara, tu dis plus bonjour? T'entends pas surtout. Tu nous présentes pas? Soyez sympa, laissez-nous tranquilles. Partez. Pourquoi elle se retourne pas à ton mec? Il a peur des filles? La ferme, je t'ai assez vu toi, dégage! Tu continues à me parler comme ça et je t'éclate. Laisse ma sœur tranquille. Laissez ma sœur. C'est ton frère. Je crains pour la tête. C'est ton frère. Je te crains pour la tête. Fais chier, salope. Laisse-les. Viens. T'as vu, oui, c'est une carte de yo-yo, oui. T'es complètement jeté, pourquoi t'as fait ça? T'es marrant, toi, hein? T'es ma gueule, je te défends, moi. Mais j'ai pas besoin que tu me défendes. Je t'avais dit de pas te retourner. Maintenant, on va le répéter à tout le monde et tout va recommencer comme avant. Et puis, t'es trop nul, tiens, tu comprends rien. Je veux plus te voir, démerde-toi pour rentrer tout seul. Très bonne ta sauce, grand chef Wistiti. Y a pas assez de sel. Y en a là. Ouais, mais c'est mieux quand tu la mets dans le cuisson. Non, c'est vrai que ça manque de sel. Tu manges proprement, tu t'en fous partout là, regarde. Merci, Léo. T'es pas très bavarde ce soir? Rien à dire. Tu pourrais faire un effort. T'as eu ta note en contrôle d'histoire géo?
On chante cacahuète. Et appétit en pervette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison. Allez, chante, Clara. Ça fera plaisir à ton frère. À la gueule. Tu me fais chier. Sa maison est en carton. Pirouette, cacahuète. Sa maison est en carton. Les escaliers sont en papier. Les escaliers sont en papier. Il faut que j'y aille. Et ce soir? Ce soir. Ah, bonjour, Yo-Yo. Ouais. Ah, ce soir. Ah, ce soir. Tu es sage, hein? Ouais. J'ai faim! Ça vient, mon bébé. Tiens. Mais elle est où, ta sœur? Je comprends pas. Je m'en fous d'elle! Tu me fais chier, maman! Je vois rien. C'est même pas rouge. Non, t'as pas de fièvre. Bon, c'est quoi cette comédie, Clara? C'est pas ton genre de rater l'école pour rien? Je me sens pas bien, maman. Je suis restée à la maison. Je vois bien que t'es triste. T'as des soucis. Des gros soucis. T'es ma petite fille que j'aime, toi aussi. Ça fait de la peine de te voir comme ça. Dis-moi ce qui va pas. Pourquoi vous m'avez fait de papa et toi? Mais quelle drôle de question. On voulait un autre enfant, une petite fille, c'est tout. Et si j'avais été comme Johan? Mais tu pouvais pas être comme Johan. Avec toi, on était sûr que tout allait bien. Et pour lui, vous saviez que ça allait pas bien? Qu'est-ce que t'as, Clara? Ça avance à quoi, toutes ces questions? Vous saviez ou pas, pour sa trisomie? Mais non. Bien sûr qu'on savait pas. J'avais 20 ans. À 20 ans, on fait pas tous les examens qu'il faut. Je te préviens, maman. Descends. Il y a l'échographie, ils ont rien vu. Et ton père et moi, on était tellement heureux d'avoir un enfant. On n'imaginait même pas que ça puisse nous arriver. Et si vous aviez su? Vous l'auriez eu quand même, Johan? Allez, habille-toi, tu vas rater le car. Yo-Yo! C'est pas ma faute si tu oublies tout seul. N'importe où. C'est rien. C'est rien, mon bébé. Maman va nettoyer tout ça. La sœur de Yo-Yo, parti. Comment tu sais qu'elle a un frère? Parce que j'en veux avec elle, tiens, sœur des corrigans. Tu verras sa tête en plus. T'aurais trop les fétoches. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, sa tête? C'est un gogol chez Gogol, son frangin. C'est pour ça qu'elle nous l'a caché. Parce qu'elle a honte. Rico Thomas. Présent. Roélec Déborah. Présente. Sosé Clara. Clara, t'es avec nous ou tu dors? Ouvrez vos livres à la page 130.
Erwan, va s'éclater. C'est dégueulasse de faire ça. Tu es toujours avec nous ou pas? Fais passer, je te dis. Mathieu, fais passer Erwan. Bande de tarés. Menteuse. C'est ta Clara, la menteuse. Et c'est son frangin, le taré. Demande-lui si tu ne crois pas. Tu m'as l'air en pleine forme, toi, aujourd'hui. C'est à cause de Clara. C'est rien qu'une grosse menteuse. Elle dit qu'elle est fée unique, mais elle a un frère. En plus, il est pas normal. C'est un mongol, son frère. Pire que Quasimodo. Encore un mot, un seul sur Clara ou sur son frère. Et j'annule le départ à Jersey pour toute la classe. Je vous rappelle que c'est dans 3 jours. Compris? Je vous déteste tous, je remettrai jamais les pieds ici. Erwan, surveille la classe. Silence complet jusqu'à mon retour. Pas à Jersey, ce sera de la faute de ta meuf. Ouais, c'est dégueulasse, elle nous le paiera. Fermez-la, la prof a dit silence complet. Espèce de faillot, même à toi elle a menti. Si t'es encore de son côté, on ne parlera plus. Hé, hey, Erwan, j'ai une super idée. La prochaine fois que tu fais une teuf, invite ton pote Mongolito. Change de place, ça pue un peu dans le coin. Clara, je sais que tu es là. Ouvre-moi, s'il te plaît. Laissez-moi tranquille, je veux voir personne. Tu vas pas rester là toute la journée, voyons. Je m'en fous, je vais pas retourner en classe. Je vais plus les revoir. Je te comprends, mais moi, je suis responsable de toi. Je peux pas te laisser seule dans cet état. Tu préfères que j'appelle tes parents? Laissez-les tranquilles, mes parents. Ils ont rien à faire de toute façon. Ils ont assez de problèmes comme ça. Avec ton frère, tu veux dire? Je sais que ça doit être dur pour toi. Tu devrais essayer de m'en parler. Je veux pas vous en parler à vous. Vous aussi, vous croyez que j'ai honte de mon frère. Vous êtes comme les autres. Je vous déteste. Crois ce que tu veux, mais tout à l'heure en classe, c'est surtout des autres que j'ai eu honte, tu sais. Je me suis dit qu'à ta place, j'aurais sans doute agi comme toi. Écoute. Je vais pas te laisser rentrer toute seule. Je termine tôt, alors je te propose un marché. Tu m'attends à l'infirmerie et moi, je te ramène chez toi après mes cours. Hein? Poser plus de questions. Je pense à tout ce que tu m'as déjà dit. Tu m'as fait comprendre beaucoup de choses, tu sais. Tu es sûre que tu veux pas que j'aille parler à ta maman? Elle comprendra pas. Mon père non plus. Je préfère qu'il sache rien. Tu dois beaucoup leur en vouloir parfois. Ouais, mais je m'en veux à moi aussi. Parce que j'ai pas le droit. C'est normal que mon frère compte plus. Il a plus besoin d'eux. Pourquoi plus? Il a besoin d'eux différemment. Non. Plus que moi. Parce que moi, j'ai la chance d'être normale. Je savais bien que ça durerait pas longtemps, ma nouvelle vie. Je voulais juste voir comment c'était. Je vais te donner mon numéro de portable. Tu m'appelles quand tu veux. Je compte sur toi demain en classe, d'accord? Merci. Que du jaune ou tu vas mettre autre chose? Que tout jaune, oui.
Tu viens faire la peinture? Un peu maintenant. Tu rentres plutôt que d'habitude, j'ai pas entendu le quart. C'est un parent d'élève qui m'a amené. Le prof d'SVT était absent. Je termine vite et après on ira faire les courses de la semaine à l'hypermarché. Mais on va voir tous les télés. Ouais, tu ne fais pas le coup de l'autre jour, hein. Tu veux pas venir avec nous, je suppose? Pourquoi je viendrai pas avec vous? Ah oui, comme avant. Ça va être super. Bonjour, les dames. Je vous présente Bébert, mon petit cabagnon. Bonjour, monsieur. Je vous présente Bébert, mon petit cabagnon. Vous voulez sa photo? Arrête, Clara, ça sert à rien. Attends, c'est vrai, on dirait qu'ils ont jamais rien vu. Fais comme moi, t'occupe pas des gens. Yo, yo, c'est pas vrai! Laisse, maman, j'y vais. Fais attention, voiture! Allez. Bonjour, dame. Bonjour, dame. Bonjour, dame. Bah, qui c'est? Je sais pas, fous-moi la paix. J'ai vu qui c'est. Personne, j'ai jamais vu, je te dis. Ou tu me lâches maintenant. Pourquoi comme une crépue, c'est ta d'amour? Elle a plus rien à te dire. Mince, c'est à la rue, mes fleurs. Tu vois pas qu'elle t'a zappé, toi et tes fleurs? Elle t'a oublié. Elle t'a effacé de son disque dur, c'est clair? T'es méchante. C'est fini la bataille avec toi. Tant mieux, parce que j'en ai marre de tes jeux pour gamin de 4 ans. J'en ai marre de te laisser toujours gagner, et puis va pleurnicher ailleurs, c'est ma chambre. Non, je resterai là. Allume l'ordinateur. Tu paries? Tu veux ton bébé? Va le chercher. Ta merde, salope! Ouvre ma sœur! Enfin calmé. Tu devrais parler à Clara, je ne supporte pas quand elle est comme ça. Non, on va pas en faire un drame, mieux l'a peut-être un petit peu cherché lui aussi. Tu la défends en plus. Mais pas du tout, c'est juste une dispute entre frères et sœurs, rien de plus. C'est à Clara à faire des efforts, pas Yo-Yo. Je la déteste quand elle est comme ça. Ça va s'arranger mon amour, je lui parlerai demain, je te promets. Je vais prendre ma douche. Moi, s'il te plaît, j'ai pas la tête à ça. C'est tout ce que tu trouves à dire. J'ai pas la tête à ça. On fait plus l'amour. On partage plus. Tu t'en fous. Ne touche pas. Pas venue. Vous avez remarqué? Vous pouvez me dire pourquoi? Je vous rassure, je vais pas vous punir, ça servira à rien. Donc, nous prendrons la vedette pour Jersey après-demain matin, comme prévu. Mais comme je vous vois pas d'ici là, j'aimerais bien qu'on fasse tous ensemble un petit exercice. Pour une fois, ça sera pas noté. Chacun va regarder dans les yeux son meilleur copain ou sa meilleure copine. Allez, Christelle, regarde Valérie. Noémie, regarde Déborah.
Marie, Eric, tout le monde se regarde dans les yeux. Chut, 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 chut. Maintenant, dans vos têtes, posez-vous cette question. Si quelque chose de grave t'arrivait ou m'arrivait, si demain, un de tes proches, ou toi, ou moi, on devenait différent, est-ce que j'arrêterais d'être ton ami? Ou bien encore, est-ce que toi, tu arrêterais d'être le mien? De Clara hier soir. Tu devrais passer la voir ou lui téléphoner, ça lui ferait plaisir, j'en suis sûre. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? T'es son seul copain. Je l'ai vu hier soir au supermarché. Et alors? Elle était toute seule? Non, elle était avec sa mère. Et il y avait son frère aussi. Elle t'a parlé? Et toi, tu lui as dit quelque chose? J'aurais dû. Je regrette tellement. Oui. Ah, c'est toi. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, là. Comment ça a disparu? Et depuis quand? En vélo? Mais attends, c'est pas possible. Bon, écoute, je vais la chercher, tu restes à la maison. Non, non, Sophie, tu bouges pas, je te rappelle. À tout à l'heure. Bonsoir, Guido, j'arrive. Madame Bellec, entrez. Heureusement que vous avez téléphoné. Moi qui la croyais au collège depuis ce matin. Moi, je la croyais chez vous. J'ai appelé les gendarmes, ils n'ont eu aucune nouvelle d'une petite fille à vélo. Et votre mari, elle n'a pas cherché à le joindre? Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Bonjour, madame. Maman, mon côté. Qu'est-ce qu'on revient, Clara? Fais attention, c'est chaud. Hein. Et aucun de ses camarades ne l'a vu. J'ai tellement peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Comme je vous le disais, je pense plutôt... tartine, maman. Je te mets pas trop de beurre. Hein. Bonjour à la ternette, hein, maman. Oui, oui, d'accord, mais tout à l'heure. Parce que... Non. Clara est une petite fille intelligente, équilibrée, heureuse. Elle n'a aucune raison de fuguer, aucune. Si elle a caché l'existence de son frère, c'est quand même le signe que le quotidien n'est pas si facile à vivre pour elle. Écoutez, vous avez parlé 10 minutes avec elle hier et vous avez tout compris, c'est ça? Clara et Yo-Yo s'adorent. Ils ne pourraient pas vivre l'un sans l'autre. C'est peut-être ça le problème. Bon, écoutez, si vous êtes venu ici pour me dire ce genre de conneries, c'était pas la peine de vous déplacer. On peut aimer et avoir mal en même temps. Johan prend beaucoup de place et Clara a du mal à trouver la sienne. C'est de ça qu'elle souffre. Oh, ça suffit! J'élève la sœur de Yo-Yo comme je veux. La sœur.
sœur de Yo-Yo. Mais vous voyez pas qu'elle en peut plus d'être la sœur de Yo-Yo, toujours la sœur de Yo-Yo. Elle voudrait être Clara, juste Clara. Restez. Je vous en prie, aidez-moi à retrouver ma fille, s'il vous plaît. Jean-Pierre ? Non, toujours rien. C'est pas possible. Non, je suis avec Madame Bellac, tu sais, la prof de Clara. Bon, d'accord, je t'attends ici. À tout de suite. Je vais faire un saut chez Erwan, le copain de Clara. Vous savez, il saura peut-être quelque chose. Je repasserai de toute façon. Merci. Rien, personne n'a vu, je suis même allé jusqu'à Saint-Marc. C'est pas possible, il va bientôt faire nuit. Attends, je vais aller sur le centre du douanier, je prends le vélo. Toi, rentre à la maison, reste près du téléphone. Tu as fait une erreur, toi. Non, Yo-Yo, toi tu restes là. Je vois pas, c'est ma sœur. Je sais que c'est ta sœur, mais je vais la retrouver, t'inquiète pas. Toi, il faut que tu restes avec maman, elle a besoin de toi. D'accord? Je vous appelle, hein. Je sais bien que les recherches sont plus difficiles la nuit, mais si vous n'avez pas tous vos hommes, on peut venir vous aider si vous voulez. Bon, d'accord, j'attends vos nouvelles. Je vous en supplie, retrouvez ma fille, s'il vous plaît. Merci. Le pire, c'est qu'on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Arrête. J'ai laissé tomber mon boulot il y a 15 jours. Faire autre chose. Et puis j'ai jamais osé t'en parler, mais ça fait des années. Je sais. Moi, je prends bien des calmants tous les jours. On va essayer de changer tout ça. Tu te souviens de ce morceau de Debussy que tu me jouais tout le temps? Tu veux pas le jouer? Non, je pourrais pas, ça fait trop longtemps. Sophie, essaye. Thank you.
Bonsoir, monsieur Sauzet. Je suis madame Bellac. Et lui, c'est Erwan, le copain de Clara. Entrez. Mais il est où, ce bateau? Près de la plage Prado. On y est allé plusieurs fois avec Clara, alors peut-être... Bon, viens avec moi, tu vas montrer le chemin. Ils vont la retrouver, j'en suis sûre. C'est par là. Clara! 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 Son sac. Ça fait plaisir de t'entendre, la miss. Je t'ai pas vue en classe aujourd'hui, j'étais un petit peu inquiète. J'ai fait une bêtise. C'est pour ça que je vous appelle. Rien n'est irréparable, tu sais. Qu'est-ce qui va pas, Clara? Je me suis enfuie chez moi. J'ai pas envie de rentrer. Enfin, pas tout de suite. Est-ce que je peux venir chez vous? Chez moi? Bien sûr, ma chérie. Tu veux que je vienne te chercher? T'es où? Dans une cabine? Clara, Clara, viens à la maison. Non! Vous êtes chez moi? Avec mes parents? Vous leur avez tout raconté? Mais c'est pas vrai, je l'aime, mon frère! J'étais juste passée prendre de tes nouvelles. Vous aviez promis. Je n'ai rien dit, Clara. Dis-moi où tu es que je vienne te chercher. On va parler rien que nous deux, d'accord? Je vous crois plus. Je ne crois plus personne. Vous me retrouverez jamais, jamais! Content? Tu pouvais pas faire attention pour une fois? Pensez un peu à ta sœur. Prévenez votre mari. J'ai reconnu le carillon de l'église, elle est au port. Ça, elle m'a appelé moi parce que justement je suis extérieure à son problème. Vous êtes une femme formidable, courageuse. Tout va s'arranger, vous verrez. S'il arrive quoi que ce soit, elle va revenir, elle vous aime. Faites-lui simplement la place qui est la sienne, ni plus ni moins. Et Yo-Yo, il est tellement dépendant de moi, il comprendra jamais que je change. Il comprendra parce que vous allez lui expliquer. Ma petite sœur adorée, tu moques, viens vite. Ton petit frère, Yo-Yo. Moi, je cherche ma fille, c'est son vélo, vous l'auriez pas vu? Environ 12 ans, grande comme ça. Oui, c'est ça. Avec une veste rouge. Elle est partie par là. Merci. Viens. Clara! Clara! Thank you.
Clara! Je suis là, papa! Mon Dieu, où es-tu? Viens là. Ça va aller, je suis là. Je vais te ramener à la maison. Ça va aller, mon amour. Ma soeur et moi, on est comme les tulipes. Comment ça? Bah, c'est toi que tu me l'as dit, maman, que la petite fleur qu'a pour pas pousser, que la grosse qu'elle est prise. Oui, t'as raison. C'est comme pour les tulipes, mon yo-yo. C'est fini, yo-yo, maman. Maintenant, c'est Johan. Tu dors pas? Bah, tu t'en vas vers Clermont? Bah oui, on part à Jersey demain. Papa et maman sont d'accord. Je n'ai parlé à maman ce matin et je l'ai dit. Quoi, Johan? Tu lui as dit quoi? Que c'était tac par le foyer. Mais ça te plaisait pas. Faut pas te forcer. Je veux l'aller. C'est moi que je veux. Ma petite sœur.